Ohio, c'est Gensho, et maintenant c'est l'épisode 6, 2. Donc voilà. Donc là, il y a toujours le mec qui fait sa ronde. Alors, on va voir. Je vais m'occuper d'abord de ce mec. Hein. Oh. What? Il y a plein de lasers partout. Là, tu bouges plus. Normalement, il reste plus qu'un mec. Non. Lol. Lol. Coucou toi. J'adore comment tu t'es affalé sur cette rambarde. Wow. Enfin non, il y en a deux. Toujours un mec. Je peux pas tirer par là. Putain, mais ils sont plus là. On peut sortir là, faire un coucou. Non. On doit trop peur. Électrochoc. Clé connectée. Parfait, attends la fin du transfert. Les portes de la chambre 100 sont ouvertes. Fais la fouille.
Remuez-vous. Passez-moi le secteur au peine-pain. La druide fond. C'est bon, je suis dans le noir là. Je suis dans le noir. Ouais, ouais. Je suis noir, ouais. J'ai un gars dans les pommes ici. Continuez les recherches. Un gars dans les pommes. Moi ouais, je dis, il faudrait que je me tue d'abord celui-là. Il y a celui-là, il est mort. Je crois qu'il y a un mec là. Ou pas. Non, je sais pas, je sais pas. Récupérons cette clé là. J'ai le disque. Sam, les Alcott ont verrouillé le hall. Il faut que tu brises la vitre et que tu descendes en rappel. Je vais débarquer. Négatif, Sam. L'IMS est muet comme une carpe. Wow. Bon, il faut savoir, droite ou gauche. Il faut savoir, toi, franchement, là. Allez, meurs. En Kevlar là-bas et ça doit le faire. Davis, quel est ton statut? Putain mais merde! Comment je fais pour le tuer lui? Je peux pas monter. Des corniches pour monter. What? Je peux monter. Hey, don't be connard. Et sans ça. What the hell? Je vais devoir le tuer à l'ancienne. Quoi. Oh fuck.
Eh, les deux cons. Il peut être n'importe où, cool. Dans ma gueule, mais je l'ai eu. Ok, il faut descendre en bas, je suppose. Ouais. Alors, on peut pas là. Wow, c'est quoi ça? Ok. What the hell? Ça va être hard. Reste à lui faire dodo. Ça m'arrangerait. Ouais. Vraiment bien. Ok, il faut plus de bien pour le tuer lui ou quoi. C'est des simulations ou quoi? Oh putain! Non, c'est on dirait une maison, la maison blanche. Enfin, on dirait le bureau. Enfin si. Je crois qu'il y avait un mec en tenue. Ich habe das Lied nicht.
Ouais. Yandy, j'ai besoin d'aide. Ok, ok. Je sais bien qu'il y a un machin ma chouette là. Il est mort. Non. Non. What? Ok. Je savais pas qu'on pouvait les tuer comme ça, les gros. Je pensais que c'était l'immense... Que dalle avec les thermites. Et là, tu sens mon couteau ou pas? Merde. Hey, approche-toi. Fake. Allez, viens par là. Enfin, une petite promenade. Ok. Je suis dans le hall et je vais sortir du bâtiment. Sam, il y a un portail sécurisé sur ton chemin vers le point d'extraction. Tu dois être près d'une salle de contrôle de sécurité. Connecte-toi au terminal et on craquera les portes. Ok. Laisse-moi regarder, je vais voir à quoi je peux accéder. Oh, génial! C'est bon, Sam. 10 minutes et je t'ouvre un chemin vers la sortie. Ça donne quoi pour ça? J'y travaille, Sam. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore des renforts qui débarquent. Charlie, accélère le mouvement. Je suis à fond, là. Aucune nouvelle de l'armée ukrainienne? Aucune. C'est bien ce qui m'inquiète. Je comprends plus bas. C'est une situation plutôt embarrassante pour eux. Sors de là, Sam. Tu joues avec les forces spéciales iraniennes et tu manques de temps. Et voilà, c'est bon, Sam. Les portes de sécurité sont ouvertes. Je suis en route. En attendant, continue à chercher comment me faire sortir. Merde. Je crois qu'il est passé. What?
fait. Je suis en route. En attendant, continuez à chercher comment me faire sortir. Waouh. Bon, bref. J'ai vu un peu à quoi ça ressemblait, ça fait un peu mal. Énervé lui hein. Donc je passe si je peux pas le tuer. Bon, un seul en moins. Comment t'es posé toi? Connection lost. Ok. Connection lost. Désolé pour ce bruit. Alors... je sais pas où je pourrais monter pour les tuer, genre. On aurait Cerber en train de garder la sortie, quoi. Ou l'entrée. Voilà, ça c'est fait. Pas besoin de pouvoir là. Maintenant on se barre. Il y a des renforts qui arrivent, Sam. Et l'exfiltration? Briggs arrive en camionnette. Briggs? On en reparlera une fois qu'il t'aura sorti de ses guépiers. Retrouve-le tout au bout du jardin extérieur. Ok. Alors... on va la jouer. Toi tu meurs, bam. Tu meurs, bam. Putain, tu vas crever toi.
tension des lumières. Ah, je préfère quand c'est comme ça. Il y a des ennemis entre toi et le van, Sam. On dirait qu'ils portent des armures de combat. Merci pour l'info. Des armures de combat. Passage par là-bas. J'espère que t'aimes pas le... J'espère que t'adores le nord. Hein. Non! Non! Pas le toutou! Par contre, je peux pas le berner. Non, sans blague. Je crois que c'était les seuls qu'il y avait, je pense. Je pense. Et c'est parti. Concentration. Démarre. Mauvaise nouvelle. Je vois au moins une douzaine de véhicules qui se dirigent vers toi. Waouh.
Il y a une autre vague de véhicules ennemis qui approche. On n'a pas moyen de les éviter. Il va falloir passer à travers. Passe à travers. Yubi, j'adore ça. Je fais descendre le drone. Il va se faire repérer. Ça, c'est le cadet de nos soucis. Missile AGM paré. Négatif, je répète, négatif. Ils vont savoir qu'on est américain. Grim. Pour le drone, feu à volonté. Grim, j'espère que tu sais ce que tu fais. Véhicule éliminé. Véhicule ennemi détruit. Waouh, c'est dur. Je sais qu'une frappe non autorisée a été... Il n'y a pas eu d'attaque de drone, juste un dysfonctionnement très regrettable. Oui, bien sûr. Vous êtes dans cet avion pour une bonne raison. Vous êtes censé être mes yeux et mes oreilles sur cette mission. C'est le cas, Madame la Présidente. Sauf que je n'ai pas confiance. Allez, wow. Tu ne t'attendais pas à ce que je te félicite. Tu aurais fait la même chose à ma place. Risquer une guerre pour sauver ta vie? Ce que j'ai fait, c'était dans l'intérêt de la mission. La présidente n'est pas la seule à avoir une bonne excuse. Les données qu'on a prouvent que l'Iran n'a rien à voir avec la Blacklist. Ce n'est pas ce que je veux dire. Oui, je sais ce que tu veux dire. Tu penses que j'ai fait un mauvais choix comme Briggs à Londres, c'est ça? Les décisions que nous devons prendre ne sont jamais simples, Sam. Jamais personnelles non plus. Ah, vraiment? Alors prenons un exemple. On sait tous les deux que tu prendrais tous les risques si la vie de Victor était en jeu. Victor n'a rien à voir là-dedans. C'est pour lui que tu es dans cet avion. La seule chose la plus importante que la mission, c'est l'équipe. Graham. Elle a pas faux. Merci. Eh bien. Tu veux me remercier par la Briggs. On aura besoin de lui si on veut réussir. Hé, les gars, le mouchard qu'on a posé sur la bombe, il arrive aux États-Unis. Waouh! Bon ben, c'est parti pour les autres missions plus tard. Donc je ferai les missions. Peut-être sur Grim, je continuerai. Après l'épisode 2. Donc voilà, où je continuerai sur la mission suivante. Donc j'y vais plus tard, salut!